Dans la matinée de ce vendredi 29 janvier 2021, la chaîne en ligne Royal TV Bénin a reçu dans ses locaux la visite d'une délégation de regroupement des patrons de Web TV composée du président Chamsdine Bandarou et du responsable à la communication Elias Adeleke. À cet effet, le directeur de Royal TV Bénin ne s'est pas attardé à faire la genèse de cette chaîne. Royal TV Bénin n'est plus une télévision numérique à vous présenter, n'empêche. Installée en 2018, Royal TV Bénin est une chaîne numérique qui se veut d'être au service de la culture, de valoriser et de révéler les richesses culturelles et cultuelles dont dispose le Bénin. La valorisation aussi de nos langues, d'où nous avons même nommé la chaîne Royal TV. Ils s'en ont dit beaucoup. En deux ans, plus de deux ans déjà, nous sommes déjà à 21 000 abonnés. De quoi dire ouf, même s'il reste à faire. Et je dirais qu'un tel nombre d'abonnés en guise, en raison de ce que nous savons, ce dont les internautes ont besoin. Ils veulent découvrir les richesses de leur maison, de leur pays, ce que nous ne faisons pas. Et nous respectons aussi la trilogie journalistique. Si vous prenez en compte notre grille de programme, lorsque je prends 20 euros, qui est au service de l'éducation, lorsque je prends Azizaro, qui est au service du divertissement, d'accord, bien que nous révélons les artistes aussi, et nous avons aussi les informations que vous suivez, la tribune des jeunes, la voix du peuple, pour ne citer que cela. Par ailleurs, il n'a pas manqué de faire quelques doléances. Il serait aussi très bien, monsieur le président, que vous veilliez à ce que les conditions de travail des collaborateurs, des journalistes, des organes membres de ce réseau soient vraiment revues. Je voudrais qu'au cours de votre mandat, vous veillez à ce que nous jouissions du bien qu'il y a à appartenir à un groupe professionnel. Je sais que vous êtes à même de le faire, non seulement sur le plan relationnel, on vous connaît, et sur le plan de la compétence, n'en parlons plus. Et ceux qui sont autour de vous et qui constituent le bureau, j'ai foi qu'ils vous accompagneront autant que faire se peut pour qu'ensemble, nous hissions haut la presse en ligne ici au Bénin. Parce qu'on a assez chosifié la presse en ligne. Je vais sur le terrain, on me donne un PDM de 10 000 francs. Monsieur le Président, vous devez travailler pour que cela cesse. Travailler en sorte qu'on nous respecte sur le terrain. Parce qu'une presse en ligne est beaucoup même plus respectée dans d'autres pays que les chaînes conventionnelles. Le représentant des locuteurs en langue abonde dans le même sens que son prédécesseur. Pour l'idée, mais de dire qu'on a 1 000 euros de doué. De son grand roux, ça s'est bon. On a monté un bout de on a une rosima, vous voulez vous nous conduire, bétolé, nosé, mon opon, nous éboyons, ou yépinkmon, ou en apondé, à l'ocami dans les dix, nous conduire, nosé, bonopon, mine, nous colonie mon temboulou du dio. D'où les bétos sous soumets, on dit ou amine, et dit à yonsin, ou trois ans, fille de minon, des tés avant les dix, et mon homme a dit au titre béton, nous éminé les plus beaux midomé, et donc y a l'homme yosou, quoi, quoi, mes ordres, l'un des plus beaux midomé, nan nous quand y a zondé comme il est dans. De même, il y a un ami dans la clone de l'automne, même pour le Sincien, nous connaissons le Sindagwe, pour le Montembo. Le rédacteur adjoint fait à son tour le point du matériel que dispose Royal TV Bénin ainsi que du personnel. Ici, il y a 21 personnels, dont 9 permanents. Parmi les 9, il y a 5 rédacteurs qui sont permanents et 4 cadres, y compris le PDG lui-même. Il y a 4 animateurs, sinon 5 animateurs en langue. 3 pour l'émission Point de Méro, 1 pour l'émission Azizaro, la personne de Rossou, et 1 pour l'émission Toho. Puis nous avons d'autres personnes qui ne sont pas permanents ici. Tant que nous avons 4 postes ici à la rédaction et 2-3 portatifs. Je vous ai déjà présenté tout à l'heure les postes qui sont de l'autre côté. Donc c'est en quelque sorte la présentation, sinon la description de Royal TV. Le responsable à la communication du REPA Web TV promet faire de mieux en collaboration avec le bureau pour le meilleur. Nous remercions toute l'équipe de Royal TV pour l'accueil triomphal qui nous a été réservé ce matin. Je crois que le directeur a tout dit, si et seulement si les mots n'avaient changé de sens et les sens de mots. Je crois que vos doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Et vous l'avez si bien ressassé dans votre allocution, nous avons un président assez dynamique.
Je pense qu'il fera le nécessaire. Il mettra les petits plats dans les grands pour que nos doléances communes soient satisfaites. Il profite en exhortant tous les patrons membres du Repas Web TV à se conformer aux exigences de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je voudrais inviter les patrons membres du regroupement des patrons de Web TV au Bénin, Repas Web TV, à faire le nécessaire pour se conformer aux exigences de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Parce que cela y va de notre intérêt et de l'intérêt de tous. Et aujourd'hui, au Bénin, comme l'a si bien notifié le directeur de Royal TV, la presse en ligne, dans le futur, sera le porte-flambeau de la presse en général au Bénin et dans le monde entier. Donc il ne sert à rien de se négliger en ces temps-ci. Je pense que le nécessaire du côté du bureau sera fait pour que les Web TV au Bénin puissent être à la place qu'il faut. Le président, pour clore cette visite, a martelé sur deux aspects que sont la formation des journalistes ainsi que la grille tarifaire unanime au sein des membres de Repas Web TV.